En cas de pépin, moi je suis tranquille. Mais vous? Non, parce que les fées, les licornes et les farfadets, c'est bien mignon. Mais en fantasy aussi, il y a des crimes sanglants et des affaires louches, des trafics bizarres et des bas-fonds sordides, des combines pas nettes et des mafias influentes. En cas de besoin, voilà les cartes de visite de quelques privés acceptables, des collègues à peu près sobres, à peu près fiables et au tarif abordable. Vous l'aurez sans doute compris, aujourd'hui pas de sous-genre, mais un épisode thématique consacré à ceux qui démêlent les affaires pas très nettes qui secouent les mondes de fantasy. On va faire ça en deux temps, d'abord les détectives privés qui mènent leurs enquêtes dans leur coin, et dans une prochaine vidéo, on s'attaquera aux investigateurs officiels, ceux qui travaillent avec les autorités, et je ne vous cache pas que certains picolent plus que d'autres. Je vous ai concocté une sélection de 5 détectives d'horizons divers et variés et qui officient dans des univers différents. Leur point commun, ils m'ont tous laissé un excellent souvenir, chacun dans son genre. Alors installez-vous confortablement, servez-vous un rafraîchissement, on va se pencher sur leur dossier. Première observation, la plupart des privés de fantasy sont des humains. Oui, ça comme vous voulez, mais moi je trouve ça louche. Alors ok, hein, les fées seraient pas crédibles dans le rôle, les nains sont trop psychorigides avec l'honneur pour exercer, et les elfes tiennent pas suffisamment bien l'alcool. Mais tout de même. Tiens, d'ailleurs, il n'y a pas des masses de gonzesses non plus. Je vais être honnête, ma deuxième observation, c'est qu'il n'y en a pas un seul qui inspire confiance de prime abord. On oscille entre le cas social et l'alcoolique, voire un cumul des deux, de préférence mal coiffé, pas rasé, avec des fringues froissées enfilées à l'arrache, le tout dans un bureau miteux, poussiéreux, voire carrément crade, avec des piles de dossiers partout, ça sent le renfermé et le tabac froid, et il y a au moins un verre à moitié vide abandonné dans un coin. Ouais, il n'y a pas à dire, ça sent le mec célibataire, mal dans sa peau, le vétéran d'une vie d'emmerde, souvent au bout du rouleau, mais pas encore au tapis. Le privé et les emmerdes, c'est comme les mouches et le vinaigre, une belle histoire d'amour. Et pourtant notre privé, il est rarement complètement esselé. Il a des acolytes, des compagnons de galère, suffisamment dévoués pour pas se barrer au premier accroc. Et on lui compte même la plupart du temps une assistante, plutôt jolie, les pieds bien sur terre, souvent un peu spéciale, et du genre à se laisser attendrir par ce type un peu naze, mais attachant. Il y a même des fois où le privé... Voilà, je pense que c'est un privilégié, hein. Il peut même compter sur des amis. Des amis. Dingue, non? Dans le genre, Garrett, ou plus exactement, Garrett détective privé est un excellent candidat. Il se présente comme un grand gaillard d'une petite trentaine d'années, avec un tempérament de type cynique et gouailleur. Le bougre aime la bière, ce qui lui vaut un petit supplément de lest autour de la taille, mais globalement, on peut dire qu'il est en forme. Sauf quand on tambourine à sa porte, un peu trop tôt un lendemain de cuite, là, on découvre son humeur de chien, son humour discutable et ses manières, directes mais efficaces. Au fond, c'est pas un mauvais gars, mais il a son petit caractère. Comme tous ceux de sa génération, Garrett entretient quelques mauvais souvenirs récoltés au front, dans le Cantar, un foutu bourbier riche en minerais d'argent, ce qui nous vaut une guerre interminable entre les royaumes voisins de Caranta et du Venaghetti. Faut dire qu'un charnier sans nom, ça vous forge un homme. Bref, après tout ça, Garrett a posé ses bagages et sa plaque à Tonfer, où il mène sa petite vie. Jusqu'au jour où un certain Lester Tate sollicite ses services. C'est le père de Denis Tate, un ancien camarade de l'armée. Le Denis en question, il est fraîchement décédé, et il laisse derrière lui un sacré testament, croyez-moi. Au lieu de tous léguer à sa sœur, il désigne comme héritière une femme déjà mariée, et Garrett est chargé de la retrouver. Sauf qu'évidemment, tout n'est pas si simple, la donzelle habite le Cantar, et le magot en jeu est un poil trop excessif pour un fils de cordonnier. D'ailleurs, si on jette un œil à ses papiers, soyons francs, ça sent les trafics louches et les magouilles militaires, le genre de truc qui peut rapporter gros. Du coup, va bien falloir que notre enquêteur remette les pieds dans le Cantar pour démêler tout ça. Avec joie, bonheur et délectation, vous imaginez bien.
Heureusement, notre homme n'est pas tout à fait seul. Pas de jolie assistante, mais Dean, son infaillible majordome, et sa ribambelle d'affreuse nièce à marier. Et puis l'homme mort, comme son nom l'indique, physiquement décédé depuis un peu plus de 4 siècles. Mais comme tous les Rondrun, son organisme fait le mort, mais pas de décomposition, du moins pas à l'échelle humaine. Résultat, il manque des petits morceaux de ci, de là, mais l'ensemble est fonctionnel. Télépathie, télékinésie et intelligence plus que vive. De quoi s'organiser une petite simulation militaire à la cave avec des bataillons d'insectes. Évitez quand même de l'appeler mort de rire. Vous rêviez d'une plus charmante compagnie? Allez plutôt au Joyeux Morlette. C'est une taverne végétarienne et sans alcool, un repère d'elfes et d'hybrides en tout genre, géré par Morlette. Morlette Dots! Un demi-elfe d'une certaine classe, à la fois garde du corps, tueur à gages, patron de taverne et grand séducteur. Il collabore régulièrement avec Garrett. On peut compter sur lui pour ramener du rap de gros bras, comme les frères Groll, Doris, Marsha et Dojango, ou encore Torpotête de Pioche, une montagne de chair et d'os, avec des mains aussi larges que des raquettes à neige. Et je vous parle pas de Chaudo Montag, le patron de la pègre locale. Vous le rencontrerez bien assez tôt. Vous me casez le tout dans un monde en pleine révolution industrielle, où la magie fonctionne au minerai d'argent, et vous saupoudrez le tout avec des enlèvements, des intrigues politico-religieuses, de l'huis clos, du livre maléfique, des tueurs en série, des nuits d'ivresse et des jolies rousses, et vous avez une bonne idée de ce qui occupe l'emploi du temps de Garrett. Et je vous préviens, il n'y a que la moitié de ses exploits qui est disponible en français, ce qui nous fait 14 tomes de bonheur en version originale. Dans un autre univers sous d'autres cieux, avec des recommandations encore plus douteuses, c'est à Thraxas et sa fière moustache qu'il faudra vous adresser. Au royaume de Turaï, c'est écrit dans le routard de l'imaginaire, il y a de quoi s'occuper. Le quartier riche, blindé d'aristos, de marchands influents et de puissants sorciers, et le quartier des 12 mers, ses tavernes, ses junkies, ses prostituées. Si le programme vous convient pas, direction le Stade Superbius, ses courses de chars et ses combats de gladiateurs. Et si vous avez envie de causer, dégotez-vous un interprète et offrez-vous une conversation avec les dauphins de la baie. Et au milieu de tout ça, Thraxas, fringant quadra, au confortable poignet d'amour, avec pour seule ambition, celle de picoler tranquille. C'est sans doute un peu pour ça qu'il a perdu sa place de chef de la sécurité au palais. Et aussi que sa femme s'est barrée avec un apprenti sorcier 2 fois plus jeune que lui. Depuis, il habite un petit appart, au-dessus d'une taverne, sur les quais. Bon, il y a quand même une plaque sur sa porte qui indique sorcier. Mais en revanche, c'est pas précisé que les compétences du dit sorcier sont assez anecdotiques par rapport au vrai pro. D'ailleurs, un peu pour ça aussi qu'il exerce comme privé. N'empêche, le jour où une princesse fait appel à ses services pour aller récupérer des lettres compromettantes chez son ancien amant, Thraxas se dit que la chance a enfin tourné. Il descend fêter ça avec une bonne bière, histoire de se mettre en condition avant d'aller frapper à la porte de l'ancien amant éconduit, un jeune ambassadeur. Évidemment, son plan se déroule pas sans accroc, et quelques heures à peine après avoir accepté l'affaire, le coffret contenant les lettres dûment récupérées, Thraxas se retrouve au frais, derrière les barreaux, avec l'impression tenace de s'être sacrément fait enfler. Pas la peine d'aligner les pots de vin. C'est pas parce que la corruption est un sport national à Turaille que je vais accepter de vous en dire plus sur cette première affaire. À la rigueur, je veux bien vous donner quelques infos pour compléter votre guide de voyage. Déjà, méfiez-vous de l'église de la vérité vraie, on n'est jamais assez pieux pour eux. Côté trafic, touchez pas au doigt, sauf pour leur vendre. C'est affreusement cher, la dépendance vient vite, très vite, et ça fait de vous un légume. Si vous voulez consommer, faites comme Thraxas, préférez les joints de Tasis. Vous serez moins perché, mais c'est moins risqué. Et surtout, ne faites jamais confiance à un orque. Si vous cherchez une bonne bière blonde pas chère, et des petits plats réjouissants, allez de ma part à la taverne de l'âge vengeresse. La fille au service, c'est Macri, un joli brin de fille, métisse d'elfe, d'orque et d'humain, un corps de rêve dans un bikini en côte de maille. Je vous déconseille de la provoquer quand même, hein. Vous risquez d'y perdre la tête, au sens littéral. La donzelle manie très bien l'épée et la hache, et elle a du caractère. Du genre à adhérer à l'association des femmes libres, à suivre des cours de philo, et à donner un coup de main à Thraxas quand il a besoin d'assistance. Au risque de tout gâcher, je préfère vous le dire tout de suite, cette série d'enquêtes, elle est un peu compliquée à dégoter. 10 volumes en version originale, dont 2 uniquement en auto-édition numérique, 4 volumes traduits chez nous début 2000, chez Fleuve Noir, et depuis, pas l'ombre d'une réédition. Vous
Ce grand détective d'une autre envergure. Un type avec des références qui impressionnent. Une pointure. Ah, bien quelqu'un, mais... À la base, c'est un privé à la petite semaine. Un peu poissard. Un gaulois. Attendez un peu avant de rigoler. Alors certes, j'admets que le bonhomme a pas grand-chose d'un héros. Et pourtant... On est en 1932, dans un monde qui est pas tout à fait le nôtre. Marseille s'appelle Marcella, l'Empire romain se porte bien, et les dieux antiques sont encore très actuels. Après une affaire qui tourne mal, encore une histoire d'adultère, Jean-Philippe Lasserre quitte la Gaule et ses dieux imprévisibles pour l'Égypte, en espérant laisser ses ennuis derrière lui. Et comme ça fait déjà beaucoup d'informations d'un coup, arrêtons-nous au bar de l'hôtel Sheraton. Ils servent un excellent whisky. Le hasard fait bien les choses, c'est aussi l'hôtel où Lasserre a posé ses bagages et son bureau. C'est à la fois son domicile et son quartier général. D'ailleurs, si vous avez vu la jolie réceptionniste, Fazimel, elle lui sert aussi de secrétaire et d'assistante. Bref, après 3 années à se laisser vivre, un whisky à la main, voilà qu'une déesse vient troubler le repos de notre privé. Et j'exagère pas, hein. C'est Isis en personne qui débarroule au Sheraton pour s'offrir ses services. Pas pour ses qualités en tant que privée, elle le dit elle-même. Non, elle a besoin de quelqu'un d'intègre pour retrouver un bouquin disparu. Et aussi fou que ça puisse paraître, Lasserre est un type fiable. Et puis c'est pas comme si on pouvait refuser de servir les dieux. Une fois l'affaire élucidée, c'est au tour de Sekhmet de pointer son divin nez au bar du Sheraton. Et voilà notre privé qui hérite d'une nouvelle affaire. Cette fois... Ce sera avec assistant imposé, pour vraiment de quoi se réjouir. Souple et lancé, la silhouette gracieuse et la taquinerie facile, Wabou est un condensé d'élégance et d'impertinence. Et accessoirement, il ronronne quand on le gratouille sous le menton. Ça tombe bien, Lasserre déteste les chats, et encore plus quand il parle. Mais que voulez-vous? On ne devient pas le détective privé des dieux, sans donner de sa personne. Et ce sont des clients qui payent bien, très bien même. Difficile de leur dire non. Le premier dossier Lasserre, c'est 5 enquêtes et un long prologue pour se faire une idée du personnage et l'univers dans lequel il évolue. Les autres dossiers sont à enquête unique, des affaires plus sérieuses, une fois que les dieux lui font confiance. Et les dieux, parlons-en. Ils forment une sacrée galerie de personnages, à commencer par les Égyptiens, comme Isis, Seth, Sobek ou encore Sekhmet. On croise d'autres divinités au fil des voyages de Lasserre, Astarté, Zeus, Poséidon. Faut savoir que plus ils ont de fidèles, plus ils sont puissants, ce qui leur donne une excellente raison de se mettre des bâtons dans les roues. Le commun des mortels n'est pas en reste. Dusen Pacha Roujdi le Medjaïs, chef de la garde de Pharaon, à Hapi, le taureau sacré proprio de la boîte la plus branchée du Caire. Il y a encore toutes les nuances des contacts de Fazimel, réceptionniste comme elle, dans divers hôtels autour de la Méditerranée. Vous apprendrez que pour connaître les derniers potins people, il faut lire Papyrus News, car Roland Kiffy dans l'air annonce souvent les ennuis, et qu'être un dieu n'empêche pas de cultiver un certain goût pour les avions et les voitures de collection. D'ailleurs, Vulcain est un excellent garagiste, et avis aux amateurs, il propose l'option Pimp My Ride. Le dossier qui suit, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Pour ne rien vous cacher, Silvo Sylvain est un elfe d'occasion en quelque sorte, vu comme il a l'air usé par la vie, mais un elfe tout de même. Un elfe loin de sa forêt, devenu citadin de Paname, chapeau melon et clope au bec. Ah, Paname. Ses dirigeables, ses calèches et ses automobiles, ses lavandières et ses ondines, ses réverbères et son académie des technomages. Les centaures y sont taxis, et ma foi, si on fait abstraction de la vapeur piquante des moteurs et des machines, la ville est pas désagréable. Mais nous sommes en 1888, et Paname est secouée par une vague d'attentats. Soyez rassurés, c'est pas du tout le genre d'affaire dont s'occupe Silvo. Non, là il est en pleine filature d'un nain, fonctionnaire ducal, pour le compte de son épouse, qu'il soupçonne plus qu'un peu d'adultère. Bon, faut quand même que je vous précise un truc... C'est pas parce qu'on croise des représentants de tous les peuples ou presque dans les rues de Paname qu'ils sont pleinement intégrés. Alors la preuve, c'est que les nains par exemple se sont groupés dans un même quartier pour se sentir un peu moins mal. Entre le racisme devenu tristement ordinaire, les insultes et les moqueries... Alors ça doit pas être facile tous les jours.
Mais il n'empêche, il se pourrait bien qu'une dame de la haute ait envie de s'encanailler dans les bras d'un nain. Bref, Silvo est en planque dans le quartier de Miguel, calé à la terrasse d'un café, avec un verre d'absinthe à la main, et pendant ce temps-là, il a envoyé Pixel, son ami et associé, surveiller la chambre où se sont donné rendez-vous les deux amants. Il a à la main un petit appareil photo, déjà bien assez lourd pour lui. Pixel, c'est 15 cm de discrétion, avec deux paires d'ailes dans le dos, version libellule. Probablement le seul piliwiggin de toute la ville, et le meilleur associé qui soit pour un privé. D'ailleurs, le nôtre de privé, il est en train de s'enquiller son troisième verre, mais croyez-moi, il aura pas le temps de l'apprécier. À peine le temps de savourer une gorgée, voilà un sylphe qui débarque, comme un ouragan, et qui dévaste la terrasse. Des morts, des blessés, pour la plupart des innocents fauchés au pif, et la panique qui gagne. C'est déjà le troisième attentat du genre, à grands coups d'élémentaux. Après l'opéra et une cérémonie publique, voilà qu'on s'attaque à une brasserie. Ça fait un paquet de victimes et une sacrée pagaille, et on connaît toujours pas le coupable. Ça sent les affaires politiques, à mon avis, le genre de dossier dans lequel faut pas fourrer son nez si on tient à sa peau. Ça pourrait même être un coup des technomages, ou des républicains, et les ducs doivent commencer à baliser, sans parler du peuple. Mais quelle idée aussi d'aller se mettre en planque précisément sur cette terrasse ce soir-là, mon Silvo. Sacré menu pour une première enquête. Mais il y a quelques belles rencontres, ça compense un peu. Grudy, l'épicier orc, Melios, l'elfe exilé qui tient un labo photo dans les beaux quartiers, Brooms, le gamin des voisins, et même Hector, le farfadé patron du feu follet. Dans ce paname-là, vous vous baladerez sur les quais de la Veine, ou dans le parc des buts de Griffon, au choix, et vous subirez la pub. Pour DOP, le savon aux extraits de plantes qui raffermissent la peau, ou pour le détergent PIF, encore plus efficace dans sa nouvelle formule. Et si vous voulez vous payer une automobile ou un de ces nouveaux engins qu'on nomme motocyclette, adressez-vous à Porfenco. C'est beau le progrès, il paraît. Je ne vous cache pas que je joue ma dernière carte. Dépaysement garanti avec ce cas-là, on change de cadre, on change de ton, direction la Chine en 639, et on a rendez-vous avec Lu Yu, qu'il ne faut pas confondre avec l'éminent auteur du classique du thé. Yu a 19 ans, c'est le 10e fils de ses parents, et comme il n'est pas précisément petit et chétif, on le surnomme Bœuf numéro 10. Depuis qu'il est orphelin, il habite avec oncle Nung et tante Inua, dans le paisible village de Koufou, sans aucun doute le village le mieux planifié au monde, mais Yu vous l'expliquera mieux que je ne le pourrais moi-même. Ça n'empêche pas le malheur de s'abattre sur Koufou cette année-là. Non seulement la récolte de feuilles de mûrier est intégralement perdue, alors que le village ne vit pratiquement que de la production de soie, mais en plus, une terrible épidémie se déclare. Et elle est tellement vicieuse qu'elle ne s'attaque qu'aux enfants entre 8 et 13 ans. Les villageois, démunis et inquiets, vous imaginez bien, vont demander l'avis du moine qui leur sert aussi de médecin. Et dans sa grande sagesse, le bon abbé s'interroge : comment une épidémie a-t-elle pu apprendre à compter ? Et devant cet insondable mystère, c'est Tantinoa qui a une suggestion : envoyer Bœuf numéro 10 à Pékin pour ramener un sage capable de résoudre le problème. Le jeune homme se met en route immédiatement, et une fois sur place, il se rend dans la rue des sages, et il présente sa requête à toutes les portes. Et après un certain nombre de refus, plus ou moins musclés, la chance lui sourit enfin. Un vieux sage, qui fut le premier de tous les lettrés 78 ans auparavant, accepte de l'aider. Il se nomme Li Kao, et nous, on l'appellera Maître Li. Précisons tout de même, il se présente comme un sage ayant un léger défaut de personnalité, et il cultive un certain penchant, si ce n'est une inclination notable, pour l'alcool. Et c'est juché sur le dos de Bœuf numéro 10 qu'il fait le trajet jusqu'au village de Koufou. N'allez pas vous laisser abuser par l'apparente facilité de l'enquête. Ce n'est pas parce que le mystère qui plane autour de l'épidémie ne résiste pas longtemps à l'esprit affûté du sage que leur mission s'arrête là. Et oui, il faut encore guérir les enfants, et cette délicate prouesse nécessite une racine de ginseng qui ne se trouve pas exactement avec facilité. Non, non. Identifier les coupables, ce n'est qu'une étape,
et notre singulier duo doit se remettre en route. Ce qui est certain, c'est qu'on sort complètement des ambiances précédentes avec Maître Li, même s'il partage un certain nombre de points communs avec ses collègues occidentaux. Il utilise des méthodes et des ruses pour parvenir à ses fins qui sont juste savoureuses, et chaque enquête réserve son lot de surprises. À vrai dire, on a un peu l'impression de traîner dans un rêve moqueur et un peu ivre, adepte des formulations fleuries, mais qui resterait néanmoins très poli. Et comble du bonheur, summum de la félicité, vous y apprendrez également à cuisiner le porc épic. Bon, évidemment, je vous souhaite pas de devoir faire appel à un de ces privés. Pas parce qu'ils sont foncièrement mauvais, mais parce que je peux pas décemment me réjouir si vous êtes dans la panade. N'empêche, avec ces contacts-là, vous êtes paré à toutes les éventualités. Disparition, objets volés, soupçons d'adultère, truanderies diverses et variées. Et même si vous n'avez pas besoin d'un détective dans l'immédiat, vous pouvez quand même regarder leur dossier, par simple curiosité. Ils sont plutôt distrayants, croyez-moi. Merci à vous d'avoir suivi ce numéro un peu spécial jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Pour la suite, je vais continuer et les sous-genres et les épisodes thématiques pour varier un peu, et c'est aussi parce que ça me permet de vous présenter des univers un peu plus en profondeur sans pour autant spoiler. Enfin du moins j'espère. Et surtout, n'hésitez pas à venir discuter sur les forums d'Elbakin, la communauté est passionnée, passionnante et très accueillante, ce serait dommage de s'en priver. J'en profite aussi pour remercier à nouveau Mylène, la thématique je l'ai choisie un peu pour toi, beaucoup pour toi en fait, et même si mes détectives ne font carrément pas le poids face à Sherlock, j'espère qu'ils t'auront au moins un peu diverti. En tout cas, nous on se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao !